Chers amis téléspectateurs et chrétiens dans le Seigneur, et bonsoir. Je dis à nous parler et retourner encore sur un cours de Bible. Cette fois-ci, nous parlons d'un sujet extrêmement important que moi-même avant des fois non négligé sur les mêmes, mais cependant, il est absolument nécessaire pour que nous prenions ça en compte, c'est la prière. La prière, et pourquoi faut-il prier? Pour que ça nous doit prier et le Seigneur, notre Dieu. D'abord, c'est quoi la prière? La prière, c'est son action de s'adresser à Dieu. Ok? Et c'est seul à Dieu que l'on doit prier. Parce que le Seigneur n'est pas vrai que nous supplier à quel autre monde nous adresser, nous à quel autre monde, que ce soit des images taillées, que ce soit des saints, que ce soit des dieux qui n'est pas le Dieu vivant. Il n'est pas vrai que nous, ni les images que nous représentons, l'image de Dieu, il n'est pas vrai nous, parce que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu veut que pour nous adresser à elle, nous adresser à elle en esprit, et c'est par la prière que l'on doit faire, parce que Dieu est un être spirituel. Donc c'est pour ça que lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous adressons notre prière, nous faisons un dialogue à mon Dieu. Nous parlons de différentes raisons qui font que nous devons prier. Et puis, ce n'est pas un bagage qui est mal que lié. Parce qu'il y a un peu de monde qui prend le sens de prière comme une supplication, comme demander un pardon, ou bien baisser tête, ou craser tête. Non. Donc, ce n'est pas dans ce sens que nous devons prendre la prière. Et puis, la tour parle de dire que il faut tout le monde voit que l'on a prié. Et qui est pour répéter on sait de vaines paroles, au printemps, on perd du temps, etc. Comme si Dieu ne pas comprendre, ou bien Dieu pas attendre, il est soude. Donc, on prie fort, on prie, etc. Donc, nous parlons de différentes façons de prier, et pourquoi faut-il prier, et comment nous devons prier. Et prier, sont actions personnelles liées entre nous-mêmes avec mon Dieu. Nous parlons, par exemple, dans Matthieu 6, verset 6, verset 5 qui dit nous. Matthieu 6, verset 6, il dit nous, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, c'est ça que la prière-là veut dire. Et donc, il faut nous fermer la porte, nous, et puis nous prier, mon Dieu. Et puis, lorsque nous prions, mon Dieu, qu'il y a là, l'Éternel qui est dans le lieu secret, l'attendait ça nous dit. Donc c'est une action intime entre nous-mêmes avec mon Dieu. Donc personne ne pas besoin ouais et personne ne pas besoin attendait ça nous dit pour que vous nous dit ah j'ai prié vraiment est-ce que c'est ça. Donc c'est ça que la prière. Nous allons lancer de l'autre verset encore et l'importance de la prière. C'est l'Éternel même qui dit dans Jérémie 33 verset 3 il dit invoque-moi. Et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand il va nous pas connaître, et sous besoin qu'on est, c'est pour prier à mon Dieu. Il dit nous adresser une requête à mon Dieu, c'est ça encore la prière. Nous adresser une requête à mon Dieu pour que mon Dieu lui réponde. Mon Dieu veut que nous demandions. Quand il y a quelqu'un qui va me demander, il dit. C'est les pauvres qui demandaient, et grand pile monde tout qui pensait que demander son signe de faiblesse, ça y est. Non, ce n'est pas un signe de faiblesse parce que sous besoin que le monde connaît, il y a des gens qui ne peuvent pas baou tout le temps pas demander. Comment? Et l'on demande à l'Iwe que, par exemple, c'est parce qu'on a besoin qu'il faut demander. Mon Dieu, c'est comme ça lié. Mon Dieu veut que ou font action. Ou font action. Excusez-moi, ou font action pour demander, et l'homme m'a dit la première, il connaît que ou besoin réellement. C'est peut-être ça, il dit nous, dans plusieurs versets, Matthieu 7, verset 7, il dit nous, demandez et vous recevrez. La preuve,
demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Donc c'est ça que nous voyons dans Matthieu 7, verset 7, que nous lisons, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc l'Éternel est toujours là pour être capable de montrer nous, et si nous demandons, il n'a toujours joué, et si nous frappons, il a ouvert pour nous-mêmes. Donc action ça, nous devons faire. Faut voir que même l'Éternel lui-même, il est grand prier, Jésus-Christ même, dans nous lit dans Luc 6, verset 12, il dit non, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier. Bon, Jésus-Christ, il est allé sur la montagne, il est allé dans le désert, il priait, il passait une nuit, il est arrivé au bord de la mer, il priait. Donc, plusieurs côtés, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort. Il y a un monde qui dit, c'est une contradiction, parce que Jésus-Christ, c'est mon Dieu, pourquoi il priait? Non, Jésus-Christ entend, lorsqu'il était sur la terre, il était une nature homme dans la Cali, il a besoin d'entrer en contact avec mon Dieu, qui se trouve dans le lieu très saint, dans la hauteur de Dieu. Donc, c'est pour des communications avec mon Dieu en tant qu'homme lorsqu'il était sous terre. Donc, il était obligé de prier mon Dieu. Ça veut dire que prier là, c'est un bail qui, pour qu'il y ait en contact avec mon Dieu, parce que c'est une action spirituelle que nous devons gagner. Philippiens 4, verset 6 dit nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par quoi? Par des prières. Par des prières, c'est la prière qui, pour capable faire connaître, besoin à Dieu. Donc, ça, c'est l'action de s'adresser à Dieu. Donc, c'est ça, la prière. Nous n'avons même pas de la prière si nous trouvons que moi, un petit peu léger ou bien, n'est pas bon pour nous. Donc, c'est l'action de s'adresser à Dieu. Donc, c'est une conversation avec mon Dieu pour demander son besoin. Donc, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mais est-ce que mon Dieu lui-même, lorsque nous prions, il va attendre nous? Si, mon Dieu attendre nous. Donc, la Bible nous dit que lorsque nous prions, il est juste bon pour nous et que mon Dieu réponde aux prières. Et mon Dieu toujours tendre aux prières nous et la répondre nous dans nos besoins. Donc, c'est ça, Jérémie 33, c'est dit. Elle dit, invoque-moi et je vous répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est mon Dieu même qui ordonne nous pour nous capables de prier. Nous jouons ça dans Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 6, nous sommes là, il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos prières à Dieu par des prières. Donc, c'est lui-même qui va dire nous, nous devons prier lui et les moyens pour être capables d'avoir nos réponses. Et puis, nous jouons aussi la Bible demande nous pour être capable d'adresser nos prières pour les autres. Nos prières pour les autres, ça veut dire que pour les autres saints. Il y a des gens peut-être qui ont un moment de faiblesse. Ils ne sont pas capables de prier. Donc, c'est des gens peut-être qui ont un moment côté que la passé une cellule tribulation. Donc, ils ne sont pas capables de force pour prier. Donc, même, la Bible nous dit, et nous devons prier pour les autres saints. Nous jouons ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, et en nous lisons, Éphésiens 6, verset 18, qui dit nous, veuillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, c'est par Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Alors, priez dans la persévérance et priez pour tous les saints. Donc, c'est ça, Éphésiens 6, verset 18, dit nous, nous devons prier pour les saints et prier avec persévérance. Et nous, il dit nous aussi, prier sans cesse. Donc, comment nous devons prier? Comment nous devons prier? Nous jouons ça dans Matthieu 6. Et Matthieu 6, verset 6, qui dit nous, des fois, comment nous devons prier. Et nous jouons ça aussi dans Romains 8, verset 26. Matthieu 6, verset 6, qui ça dit nous? Et nous regardons verset 1. Matthieu 6, verset 6, il dit nous, mais quand tu pries,
entre dans ta chambre. C'est ça, nous sommes parlés, et nous disons, bon, verset 1, en dedans, pour nous prier. Et puis, l'Éternel montre-nous aussi et comment non seulement nous devons prier, le songer que les disciples ont besoin qu'on ait, et comment nous devons prier. Et l'Éternel s'est dit, oh, dans Matthieu, il a dit, nous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, c'est au modèle de prière que l'Éternel bat nous, et afin que lorsque nous prions qu'on y a là, et nous adressons à Dieu, mais il dit nous que ce n'est pas que volonté pardon pour nous faire agir, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que là, nous prions, nous adressons à Dieu, laisser que lui-même lui prenne décision pour nous-mêmes, si nous aimons un bon Dieu réellement, et que nous connaissons que mon Dieu a répondu à un bagage. Donc, c'est ça que la Bible nous dit. Donc, là, nous ferons action de prière, et tant que mon Dieu réponde, parce que mon Dieu connaît ça que nous avons besoin, même au-delà de ça que nous espérons. Dans l'Apôtre, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. On nous regarde lui. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qui dit? Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au-delà. Ça veut dire que, bon Dieu lui-même, lorsque nous-mêmes nous adressons prière à Dieu, libanon ou c'est des bagailles, au-delà même de ce de ça que nous sommes capables d'espérer et de ça que nous sommes capables de compter et sur nous-mêmes. Il y a des fois, nous avons des bagailles, mais nous ne savons pas quelles conséquences que ben la gagne. Il y a des gens qui font prière à bon Dieu pour le parti, mais nous ne savons pas qui, et si le parti, qui s'arrive, qui s'abonne Dieu. Parce que Dieu voit au-delà. Donc, c'est peut-être ça, il y a des fois, mon Dieu, qui ne va pas répondre maintenant, ou bien répondre plus tard, ou bien tout, et libre ou l'autre bagaille. Et qui est encore meilleur pour nous-mêmes. Enfin, lorsqu'on remet mon Dieu conservez-vous, laissez-vous, dirigez-vous dans la meilleure façon, dans le droit chemin, dans le meilleur chemin. Donc, c'est pour ça qu'on critique quelque chose à ça qui vaut dans la vie. Donc, il faut le dire, c'est pour la gloire de Dieu, parce que lorsque vous priez, donc, vous laissez Dieu faire sa volonté, et que sa volonté de Dieu est toujours meilleure, parce que Dieu voit au-delà de toutes choses. Nous ne pas de trop longtemps, mesdames et messieurs. Nous adressons et ça avant. Donc, nous espérons que ça fera plaisir. Si ça fera plaisir, vous êtes capable et abonnez-vous avec nous pour capable toujours joindre ce genre de message avec nous et le cours biblique et puis voir quelques versets ensemble. Nous avons prié pour nous-mêmes ou même prié pour nous-mêmes également en tant que saints. Donc, pour que Dieu vous bénisse abondamment.